Other bad eyes not even. Cause I think I got something possessed in me. No matter what, I'm gonna give what's left to me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des anciens du PSG sur FIFA 16. On peut voir que j'ai pas mal changé l'équipe par rapport au premier épisode. Un premier épisode où j'avais le collectif à fond, vu que j'avais fait une équipe 100% française avec Georges Weah en pointe. Là je suis parti sur une équipe différente, donc il y a pas mal de Français encore. On a du Alphonse Areola, Sylvain Armand, Distin, Lucas Digne, même si Digne et Areola sont prêtés, j'ai quand même décidé de les mettre, je le précise, parce que de toute façon, Mike Maignan, la dernière fois, il m'a fait que de la merde, donc je pense pas que Areola ce soit pire, enfin j'espère. Bourillon au milieu de terrain avec Modeste Mbami. On a Serra qui est de retour dans FIFA, Mbami c'est pareil, enfin je m'en rappelle pas s'il a ça, enfin ça fait pas mal de temps, hein. Je crois que Mbami n'était pas dans un FIFA, Ultimate Team. En 10, j'ai mis Niskens Kebano. À gauche, j'ai mis Jérémy Ménez par défaut parce que côté gauche, il n'y a pas de joueur, il me semble. D'ailleurs, s'il y en a un, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Everton Santos, l'un des joueurs qui avait fait polémique à l'époque. Hein, je sais pas si vous vous rappelez, le duo des deux Brésiliens à 10 millions, les deux joueurs tout claqués. Et en buteur, la légende Pedro Miguel Pauleta. À noter que... il n'y a pas de Ronaldinho, ça sert à rien de me spammer dans les commentaires. Ronaldinho, Ronaldinho, il n'est pas dans le jeu les gars, je ne peux pas l'inventer. Il n'est pas dans le jeu et donc on va faire 100. Voilà, c'est parti pour les matchs. Oh là 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 là. Pourquoi? Quand je joue avec mes grosses équipes, je tombe sur des équipes moyennes, voire nazes. Et quand je joue avec une équipe toute claquée, je tombe contre ce genre d'équipe. Le matchmaking est nul dans ce jeu, il est nul. C'est Sylvain Armand qui va botter les corners. Oh là là, ça va être n'importe quoi là, ce jeu de sang. Ou Bourillon. Ou Bourillon. Oh là 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 là, ça partait dans la lucarne là. Hop. Niskens. Pedro Miguel Pauleta. Pedro Miguel Pauleta. C'est quoi cet arrêt de Tchèche? Oh là 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 là, mais si. Je suis déjà City en même pas 10 minutes. Non, 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 bien joué Alphonse. Alphonse Areola qui malheureusement a fait le tour du monde, hein, pas forcément pour les bonnes raisons, hein, vu que c'est lui qui s'est pris le but exceptionnel de Neymar là il y a quelques semaines. Pauvre Alphonse, on lui en veut pas, on lui en veut pas, on l'aime Alphonse. Le problème c'est que l'équipe elle est coupée en deux en fait, et j'ai pas de relais au milieu de terrain. Il y a tout le monde qui est derrière ou devant, il y a personne qui reste au milieu. Hors jeu. Ah non, d'accord, bon, merde. Voilà, tu écartes. Everton Santos, tu décales. Niskens Kebano, légalisation directe, poteau. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là. Bien joué, Niskens. Oh là là. Greg Bourillon. Greg Bourillon, le centre. Oh là là, mais c'est quoi cet arrêt de Tchèche? Eh, mais Pedro, il va pas marquer là. Pedro, il y a un truc qui l'empêche. Oh là là, Bourillon face à Ribéry. Oh, Greg Bourillon, il l'a rattrapé. Je comprends pas ce qui se passe dans ce match. Eh, c'est n'importe quoi les stats à la mi-temps. Vas-y, 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 lance-le. Voilà, part tout seul, Kebano. Tu l'as encore, tu la décales. Oh, pénalty! Il y a pénalty, là, monsieur l'arbitre! Oh, mais mon joueur, il tombe pas tout seul, quand même! Il y a faute, là, sur Jérémy. Quoi? À l'époque, le PSG n'avait pas forcément un arbitrage très correct avec lui, hein. C'est peut-être pour ça aussi que le PSG jouait les derniers rôles en Ligue 1. Je veux pas être parano non plus. Mais il y a Pedro Miguel Pauleta qui... Oh, il a pas marqué! Allez, Pedro. Oh là là, mais c'est pas possible! Mais il est maudit! Oh, Alphonse, la paradonne! Oh là là, je suis dégoûté! Mais c'est quoi ce but que je prends? Vas-y Niskens, Pedro, oh là là, son Petro Tchèche, il a fait combien d'arrêts aussi dans le match? Bon, ma premier match, première défaite. Mais ouais, je peux que rigoler en voyant les stats, c'est n'importe quoi. C'est vraiment relou. C'est vraiment chiant en fait. Aubameyang, tu le mets face à Armand et Distin. L'adversaire a quitté, hein, il a eu peur. Attends, ça m'a... Il a quitté, donc ça m'a baisé le match de Pauleta, ça m'a baisé un match de Pauleta.
Oh là 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 là, hey, c'est un truc de bâtard, c'est incroyable ça. Une équipe de Serie A, sur le papier c'est sympa, il y a un côté qui n'a pas de collectif, on va essayer d'en profiter. Ou Modeste, Modeste Mbappé, oh là 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 là, le but de Modeste, exceptionnel. Oh là là, c'est n'importe quoi ce jeu, putain. T'es là, t'as Modeste Mbappé, il t'envoie des frappes comme ça de... Niskens, Niskens. Décale pour Pedro. Remets-lui. Remets-lui. Ah, Menez, il a suivi le 2-0. Yes, le 2-0 au bout de 4 minutes de jeu. Là, on concrétise les occasions qu'on n'a pas su mettre au premier match. C'est gênant, hein, parce que premier match, il n'y avait vraiment pas forcément la réussite. J'ai quand même galéré pour marquer un but. Là, deux occasions de but. Modeste Mbami. Oh là là, mais il t'a fait un appel de fou. Oh là là, hey, je crois qu'il n'y a que Pauleta qui n'a pas le droit de marquer dans cet épisode. Oh là là, il y a une reprise qui partait, elle part maintenant. Oh là là, le doublé. Le doublé de Modeste Mbami. De toute façon, après ce match, on va arrêter parce que j'ai plus de contrat avec Pauleta. Mais rien que Mbami qui met un doublé, je pense qu'on va couper très très rapidement les matchs. Oh, la faute là. Ah bah oui, il est là ton but. Oh, mais c'est... Il a pas de chance. L'adversaire a quitté, logiquement, là. Voilà. Donc, c'était Fatma Théâtre en HD. C'était un épisode vraiment court. Mais, j'ai plus de Pauleta, en fait, là, vu que le contrat s'est terminé. Du coup, je pense me l'acheter. Et il y aura un troisième épisode qui va arriver prochainement. Il y aura pas vraiment, il y aura peu d'écart par rapport au premier épisode et celui-ci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous. Ciao.